Amen. Amen. Rapidement, nous lisons la Bible. Dans le Mbango, nous sommes dans les deux rois, chapitre 8, verset 7 jusqu'au 15e. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et Élisée s'est rendu à Damas. Benadad, le roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge des 40 chameaux, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour lui dire, guérirai-je de cette maladie? Et je lui répondis, va, dis-lui, tu guérirais, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, pourquoi je sais le mal? Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël, et tu mettras l'épée à leur suite. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Abel dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, le chien, pour faire des si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Abel quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, qu'est-ce que dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture, qui plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place. Yehova na Yahweh. Que Dieu bénisse. Yahweh pambola bino. Amen, amen. Amen. Vous parlez dans quelques minutes de quelque chose si important. Totali korobela na mwa tango moke kasi makambo ya mutuya. Dans le texte que nous allons lire avec vous. Na kati na buku ko to tiko tanga na bino elongo. C'est que le Seigneur va encore se glorifier dans la vie de quelqu'un ce matin. Yahweh a komikumi sama na bomo ya moto na tongo na lelo. Parce que nous croyons à un Dieu véritable. Un Dieu qui nous aime et qui nous fait du bien à tout moment. Quand tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. Qui a dit amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé en France avant-hier? Les gens qui sont au stade. Il y a trois personnes qui entrent et qui commencent à tirer dessus les autres. Plus de 140 personnes sont mortes et plus de 200 personnes blessées graves. 140 ya bato makufi au-delà ya 200 bango pe bazoki bapota minene. Rendez-vous compte que quelqu'un avec qui c'est sa maison qui va au stade. Il arrive là-bas, il attrape la mort. Qui a dit amen. Amen. Dieu nous garde, il nous protège, il nous fait du bien et nous devons lui reconnaître. Amen, amen. Amen. J'ai jeté quelque part où j'allais prêcher à Badara. Lobi Nazaraki et Sika Songol, on a Kendaki côté à Kuna na Badara. Quand on a fait le travail,
Tango, au Salaki Moussala Lobby, mon équipe. C'est vraiment une découverte pour moi, un nouveau quartier que je suis en découvrir. Et Zalaki Ponanga, Moïe Kiyasika, quartier où on a un mec qui est au Kendena Kotal. J'ai vu les choses que Dieu était en train d'opérer. Ça a dépassé mon entendement. Namoni Makamboko Zamba Bandaki Kosala et Leki Maele Nanga. Je crois qu'aujourd'hui ce Dieu-là, il est présent, il ne change point, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nandami si Zambe wana le lobi Azali Nabiso Elongo, a Pongwanite, lobi, lelo, lobi, lozali koya, libela na libela. Élisée s'est rendu à Damas. Élisée a Kentaki na Damas. Benadad, roi de Syrie, était malade. Benadad, Mokonzi à Syrie, Azalakina maladie. Et on l'avertit. Père Matentaki, Koemisaye. L'homme de Dieu est arrivé ici. Motonazambe aye awa. Pendant qu'il était malade, Natango Oya Zalakina Bokono. On lui fait l'annonce. Selon laquelle on lui adresse l'arrivée de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'était Élisée. Et quand il a appris que l'homme de Dieu est venu, il a constaté que c'était la visite de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu arrive quelque part, c'est un lieu qui trouvera la paix, qui trouvera le bonheur et où Dieu visite son peuple. Soki mutu na Nzambe akomi esika songolo, esika wana ekozwa kimya, esika wana ekozwa lipamboli, fete Nzambe aye kotala esika wana. Le roi dit à Azaël, Mokonzi alobi na Azaël, va avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Zwa o ezali likabo, kende liboso ya mutu na Nzambe. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Amen. Amen. C'est le roi qui envoie Azaël. Parce qu'il était malade. Mais il lui dit, va. Il faut avoir avec toi le présent. Et c'est que l'Ozalanayo et le mot Nadikabo. Pour aller consulter l'Éternel qu'au travers l'homme de Dieu. Pour la cotou Nanzambe, Nanzela Moussalinae. Dis-toi le présent. Sois l'Ikabo. Qui a dit Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui a compris, qu'il puisse dire Amen plus fort. Et tu vas et consulte l'Éternel. Donc le roi a compris. Et on ne peut pas aller consulter l'Éternel sans que l'on puisse apporter un présent à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas le vendeur de l'ainsi dit l'Éternel. L'homme de Dieu est appelé à écouter Dieu, à être à la présence de Dieu. Mais lorsque quelqu'un va vers l'homme de Dieu, pour le consulter, il doit amener avec lui le présent. Celui qui parle ici, c'est un roi. Qui était malade. Mais il allait consulter l'Éternel.
Kasi amanda ki kokende kotuna Yahweh. Il voulait juste écouter Dieu, entendre Dieu lui parler. Azaraki na posa ya koyoka nzambe kolobela ye. Bien que le message pouvait être soit négatif, soit positif pour lui, mais nécessairement il fallait qu'il apporte le présent. Ata obele sango yango ekokaki kobima ya malamu to ya mabe kasi esengeleki amema likabo. Beaucoup de gens, j'ai suivi à des chaînes de télévision les gens qui sont en train de critiquer les gens qui apportent les offrandes des prophètes, qui donnent aux prophètes leur présent. Nazali kolanda kati na ba etandoike batu oyo bazali ko critiquer batu na nzambe bazali ko mema libonza et pas basakoli. Je prêchais quelque part na bandeki kote esika songolo. Quand je parlais de la dîme, tango na lobelaki na moko na zombi, j'ai entendu un homme de Dieu qui prêchait sur internet. Et pour lui, on peut donner la dîme que de son salaire. Que lorsque tu as même une autre chose que tu fais, tu ne peux pas donner ta dîme. Mais je me suis dit, c'est une façon de tordre le sens des Écritures. C'est détruire le sens des Écritures. Lorsque quelqu'un vient auprès de Dieu, il doit savoir apporter le présent. Dieu n'a pas seulement besoin de ta présence. Dieu a aussi besoin de tes présents. S'il y a quelqu'un qui m'entend. Amen. S'il y a quelqu'un qui fait du ramène à haute voix. Amen. Il y a trois offrandes, comme je l'ai toujours dit. La première, c'était Jésus-Christ lui-même qui s'était donné, livré comme un sacrifice. Le Fils unique de Dieu qui a été livré, qui a été donné pour que les hommes puissent avoir la vie. Lui qui était le seul et le véritable Dieu qui était livré, il acceptait de donner sa vie. Il était une offrande. Qui a dit amen. Amen. Comme Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac que tu es. Le fils unique. Dieu le demande. Pour qu'on puisse le délivrer. Je parle de deuxième offrande. La deuxième offrande, c'est l'homme lui-même. Selon Romains chapitre 12. J'exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc l'homme est une offrande. Parce qu'il est le temple de Dieu, il est appelé à marcher dans la sanctification. L'homme en tant qu'offrande, il doit se priver de tout ce qui est comme gain pour lui. Gain, ce qui est comme bénéfice pour lui. Quand il le perd à cause de Jésus,
Il dit, je ne le ferai pas. Parce que j'ai accepté Jésus. Dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui a en lui, c'est l'orgueil, mais il dit, j'abandonne l'orgueil à cause du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est un voleur de carrière, il se dit, j'abandonne à voler à cause du Seigneur Jésus. Celui qui faisait la prostitution pour qu'il mange, pour qu'il s'habille bien, il faut qu'il puisse se prostituer. Il dit, j'abandonne ça à cause du Seigneur Jésus. Donc il se fait une offrande. Qui a dit amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend de dire amen? Amen. Je l'ai toujours dit que quand vous voyez quelqu'un offrir à Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation. Là, je parle de la quatrième, mais troisième plutôt, sens de l'offrande qui est le présent qu'on apporte à Dieu. Quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? On doit apporter à Dieu l'argent. C'est dans l'émission que j'ai tourné la fois passée. On ne donne pas à Dieu que l'argent. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez constater que les gens qui offraient à Dieu dans les temps anciens, ils n'apportaient pas seulement l'argent, mais ils pouvaient apporter même donc les produits de leur champ. Les choses qu'ils avaient, qu'ils disposaient, ils apportaient à Dieu. On voit quelqu'un qui apporte les fruits, quelqu'un qui apporte par exemple les tubercules de manioc, quelqu'un qui peut apporter tout ce qu'il peut avoir. Et quelqu'un qui est un berger, il peut apporter les choses qu'il est en train d'élever ou les bêtes qu'il est en train d'élever. Plusieurs fois vous avez vu les offrandes que les gens donnent. Il faut que les gens puissent donner les offrandes selon Dieu et selon la pensée de Dieu et selon la révélation. Je vais revenir sur mon texte. Mais je voudrais parler, peut mettre un accent sur les offrandes. Dans cette émission-là, on m'a posé la question, alors quelle est la plus grande offrande que quelqu'un peut donner à Dieu? J'ai donné l'exemple de Salomon dans son temps. Il avait donné la plus grande offrande du monde à son temps. Amen, amen. Amen. Il avait donné beaucoup de têtes de bêtes. Dieu avait approuvé cette offrande là. J'ai donné l'exemple de Caïn Abel. N'a Chaque fois, ils allaient offrir à Dieu.
Ils apportaient les offrandes à Dieu. Et Caïn a porté l'offrande selon les domaines dans lesquels il se retrouvait. C'était un laboureur. Alors, Abel avait aussi apporté les offrandes. Abel était le Nabonae à Mebaki Makabo. Selon que le domaine dans lequel il travaillait. Mais tous deux, ils apportaient des offrandes. Bangonion Somi Bale, Banemaki Mabonza. Amen. Amen. Mais regardez au temps de Jésus. Il y a une femme. Et ça dit moi si mon corps. Comme nous sommes dans une réunion de prière comme celle-ci. Alors on vient, on commence à offrir à Dieu. Les gens qui avaient beaucoup d'argent, ils sont venus, ils ont offert. Ils ont donné leur présent. Chacun a apporté ce qu'il avait. Il l'a donné. Pendant que Christ était là, observez comment les gens donnaient. Et parmi ceux qui donnaient, Jésus a dit, que tous ceux qui ont offert, il n'y a que cette femme qui a offert à Dieu. Et pas une femme. Car les autres ont donné le superflu. C'est ce que j'appelle moi souvent les résidus. Les résidus, ce sont des choses qu'on a mangées et ces choses sont restées. Pendant qu'on est déjà rassasié, et on peut les donner aux autres parce qu'on n'en a plus encore besoin. Les choses dont tu n'as pas besoin, ils donnent. Mais cette femme avait donné que deux deniers seulement. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais le point capital que Christ a épinglé, il dit que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Il avait donné tout ce qu'il avait à Dieu. Laissez-moi vous dire, mon frère et ma soeur, la grandeur de l'offrande. Comme je l'ai toujours dit, lorsque on donne à Dieu et qu'on sent une douleur en soi et qu'on trouve qu'on s'est vidé soi-même, on n'a plus rien encore, on donne à Dieu. Tu as dit amen. Amen. Est-ce que tu as déjà donné une offrande à Dieu qui te fait mal au cœur? Est-ce que tu as déjà offert à Dieu quelque chose quand tu lui donnes comme ça, tu sens que tu as perdu? C'est pourquoi Malachie chapitre 3. Au verset 7, la Bible dit. Vous me trompez les nations tout entières. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Parce que vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous voulez que Dieu soit fidèle à vous. Vous aussi. Il faut être fidèle à Dieu. Lorsque vous donnez à Dieu,
Faut savoir. Et Seigneur Koyeba. Dieu sonde le cœur et le rein. Dans le temple là, il y a fait beaucoup de gens, j'espère, qui venaient au fil. Et je ne pense pas que Jésus avait vu physiquement l'argent de la femme. Je ne pense pas que Jésus a regardé avec l'œil physique les choses que les autres donnaient. Mais Jésus, en tant que Dieu, il a regardé avec l'œil spirituel. Comme un Dieu, sonde le cœur et le rein. Quand quelqu'un donne à Dieu, Dieu le regarde. Et puis il a donné ce qu'il avait. Je reviens à notre texte. Les rois. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel. Comment allez-vous, Azaël? Joie du bonza. Tenez les pas à mouton en Zambé, tout naïe dans Zéla naïe Zambé. Guérirai-je de cette maladie? Azaël alla devant Élisée. Azaël a tenu qu'il bonsoit Élisée. Maintenant avec lui un présent. Azuil du Cabo. Tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. 40 chameaux. La charge de 40 chameaux. Il a pris toutes les choses meilleures. Pour juste avoir une parole de la prophétie de l'homme de Dieu. Consulter Dieu au travers de l'homme de Dieu. Il a mené donc 40 charges de chameaux. Vous savez, les chameaux, ce sont des bêtes qui transportent de grandes charges. Ils peuvent transporter même 2-3 4 tonnes. Amen. Amen. Ils peuvent effectuer une très longue distance. Mais il a porté dans le 40 charge de charge de 40 chameaux. Amémi 40 chameaux, bangonyon soba memi kumba pour apporter le bouton dans ça. La Bible dit. Bibi et Robi. Le meilleur des choses qui étaient à Damas. Bidoko ya mutuya, oh ça va qui à Damas. Lorsque on veut en donner quelque chose. À Dieu, et pas une enfant. Faut donner quelque chose de meilleur. Et je crois que je donne souvent ce témoignage. C'était un bougement. Lorsque je venais à peine de me marier. Dans ma maison. Alors j'ai vu un frère qui est venu. Qui a apporté pour moi une chemise. Et cette chemise. Chemise wana était bien pliée et bien repassée. Quand il m'a donné la chemise, lui il est parti. Après quoi je dis, je veux prendre cette chemise pour porter. Nalobi, na koza chemise oyo pona kolata. Kongala za kasonza na eloko asiki foka na latango. Je veux garder ça pourquoi? Na kobo mbango pona ni. Amen, amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui m'entend. Nani ayo kinga. Alors maintenant, quand je prends la chemise, alors je regarde que la chemise était en lambeau derrière. Na moniete chemise ango ezalaki ya kolemba. Ya kolemba te. Ya kokatana. Ah, faut interpréter ce que j'ai dit.
La chemise était en lambeau, c'est que c'était une chemise qui était déjà déchirée. Et voilà qui a kokatana, ya kopasuka. Vous avez dit qu'on l'aimait, mais ya kopasuka. Alors maintenant, je regarde le frère là comment il s'habillait. Dites-moi pourquoi il m'a porté cette chemise. Je l'ai appelé. Le frère vient. Pourquoi tu m'as amené une chemise déchirée comme ça? Non, je voulais juste vous remettre un don. J'ai un don. Prends ta chemise, va porter. Chemise moi, je ne peux pas porter une chemise qui paraît. Chemise à boité. Amen, amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui m'attend qui peut dire amen. Amen. Alors, d'autres personnes peuvent dire que j'avais mal agi. D'autres personnes peuvent dire que j'avais mal agi. Mais la Bible dit, si tu veux offrir à un roi, et que tu as des bêtes grasses, elles sont nombreuses, mais tu vas apporter à un roi une bête qui est boiteuse. Qui est très maigre. Tu vas porter à un roi. On est meilleur roi. C'est-à-dire que ce roi sait que tu as encore des bêtes gracieuses. Mais tu n'apportes pas. Le roi là va te considérer comment? De cette façon là que beaucoup de gens donnent à Dieu et Dieu n'agrée pas leur offrande. Et quand vous donnez des choses pareilles à Dieu, Il devait porter le présent et le meilleur. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, à se présenter pas il n'ayait à l'obi. Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Car il apporte le présent, il donne, alors il s'attend maintenant que l'on puisse lui parler les choses. Guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit. Élisée a ébissé. Va. Kende. Dis-lui. Viens bissaye. Tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé. Kasiya wenzame a ébissinga batali singaboy. Qu'il mourra. Akokufa. Amen. Amen. Tu peux relire ça? Je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Nalini, bonso sola eloko wana. Élisée lui dit, Élisée a yébissé moi. Va. Kende. Dis-lui. Viens bissaye. Tu guériras. Mais Kasi, l'Éternel m'a révélé. Yahweh Zabe a talisila. Qu'il mourra. A propos. Vous sentez qu'il y a des paroles là. Boyoki malobami balewana. Amen. Amen. La première parole dit, Lino Baya Yambuelobi. Va lui dire. Que tu guériras. La deuxième parole, dit, mais l'Éternel m'a révélé. Yahweh a talisina.
La parole qui a dit que va lui que tu guériras, c'était Élisée qui a parlé. L'iloba oye loba qui na ye kende koye bisaye akobika wane zaratinde à Élisée loba qui. Mais Dieu maintenant, si kawa nanga bonanzam, il se révèle maintenant pour donner la vie, le vrai message. Aye si koye kobi monisa, pona kope sa sango ya solo. Écoute, ici, awa, j'ai compris deux choses. La première des choses, Élisée a donné le premier message par rapport au présent qu'on lui a apporté. Élisée a pesaki samoya yambo kolandi samalikabo oba pesaki pour préserver les offrandes qu'on lui avait données. C'est pourquoi quand on apporte souvent le présent aux hommes de Dieu, ils peuvent faire n'importe quelle déclaration. Ce qu'il déclare, parce que Dieu a craint. Mais en réalité, quand cet homme était venu, il n'était pas venu pour recevoir une déclaration de la bénédiction ou de la guérison de la part d'Élisée. Azael a yeti pona kozua matatoli toli pamboli oye kouta et pas Élisée. Parce que Benadab, peut-être Benadab l'avait envoyé à Tindakiye pour lui dire pona koye bisaye va consulter l'Éternel au travers l'homme de Dieu. Kende kotu nanzambe nanzela mosali na ye. Il fallait que l'homme de Dieu puisse entendre Dieu lui parler. Laissez-moi vous dire, mon frère, beaucoup de serviteurs qui écoutent Dieu, qui parlent souvent avec Dieu, des fois ils sont dans la distraction. Ils pensent que tout ce qu'ils disent vient de Dieu. Non, il y a des choses que les hommes disent d'eux-mêmes, mais qui ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il efface automatiquement les paroles de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, mais l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel m'a révélé Yahweh a qu'il va mourir. Mais avant il a dit, il guérira. Mais après, Simon, il efface à tout ce qu'il a dit avant. Il dit il mourra. Là c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, ce qu'il dit, ça doit s'accomplir. Qui a dit amen. Amen. Dieu n'est pas un menteur, frère. Je crois depuis un certain temps. Je vous parle en vous disant que vous devez souvent écouter Dieu. Il faut écouter Dieu avant de faire quelque chose. Il faut écouter Dieu avant d'agir. Ne faites pas les choses avec votre raisonnement. L'intelligence de l'homme peut le tuer. Tous les gens que vous voyez faire les choses par l'intelligence. Celui d'Al-Qaïda, c'est l'intelligence. Al-Qaïda, c'est une science développée. Mais dans les mauvais sens, les gens explosent des kamikazes. Kamikaze explose. Kamikaze l'intelligence. Laissez-moi vous dire ça. L'intelligence est bonne. Parce qu'elle vient de Dieu. Mais dans certains cas d'espèce,
Le jour qu'on sort le corps. Nous colloquons à Zombie Missaï Bembe. Vous allez voir que les gens pleurent, ils s'écroulent par terre. Quand on prend maintenant les cercueils pour amener au cimetière. Soit qu'il va me cimetière. Vous allez voir comment les gens pleurent, ils se déchirent même les têtes. Quand on revient des cimetières, ils commencent à disputer les habits de. Il avait un compte en banque. Nous sommes en banque. Dieu, quand il fait faire quelque chose, il ne regardera même pas le présent que tu lui as. L'argent que l'on peut donner à Dieu, ce n'est pas pour lui corrompre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Mais c'est Azaël qui a eu la bonne nouvelle. Azaël, il n'y a pas qui s'en va là. Dès que l'homme de Dieu a eu toute la scène de l'avenir d'Azaël. Azaël, nous tenons à Zambé. Azaël qui n'y a pas de bonne nouvelle. Il a regardé Azaël qui sera roi. Azaël, Azaël a nommé à cause de l'encoumou. Il va remplacer Benadar. Il pleurait parce qu'il a vu que dans le pouvoir d'Azaël, il a fait beaucoup de désordres. Il a tué les gens. Il a déchiré même les femmes qui étaient en chemin. Avant d'être collé la poète à mon qui était n'a dit bon coup mon aïe et à quoi ça la ma cambo ma mère à table le compas sur la base n'a zébi comme une sabana. Mais laissez lui qui sort avec l'avantage. Quand il y a une abîme qui n'a pas besoin d'avantage. Il dit c'est toi qui m'as remplacé Benadar. Amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen à haute voix. Amen. Mais tu ne crois pas que tu es éternel. Dieu peut te remplacer
par qui il veut. Kondimona ete ozali seko. Zamba koti ko zongi sa mutu nosusu na oya lingi. Nous avons vu les gens qui étaient trop forts dans ce monde, qui faisaient beaucoup, mais à un certain moment, Dieu les a effacés. Donc, parce que Dieu est Dieu et il reste Dieu. Donc on a battu au bazar qui n'a rien à casser la scène à mon kiri boy. Mais ils ont battu la ligne dans l'ombre la bango. Qui a compris quelque chose? Là, il y a son et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen en toi. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen très bien. Amen. Dieu a besoin de présent. Zamba posa ya ma Dieu a besoin des offrandes. Azana posa ya ma bonza. Que l'on peut lui apporter par les autres. Dieu a besoin que tu lui donnes des choses meilleures. Zamba zana posa o presa ya ma kamboya ki tomba bilo ma kitoko. Si quelqu'un m'apporte moi une chemise déchirée, je la refuse. Soit qui m'a me melinga. On les a dit, chemise à compassouka, n'a qu'au bon et à mort. Mais plus fort quand tu apportes à Dieu quelque chose de mauvais, Dieu ne peut pas refuser. Si quand il y a bon, 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 il y a bon. Si le frère avait une seule chemise là, déchirée, et qu'il avait la condition de me la donner, j'allais porter. Sotin de Komobali wana, azala kikanga na chemise moko wana kasi ya kopasuka. Me akoti sami na mokano na yete, apre sandai, na kukati kolata ya mo. Il a fait de belles chemises, il n'a pas voulu me les donner, il m'apporte une chemise déchirée, je devais lui rendre sa frère. Loko la zala kina ma chemise emele ya kitoko, kasi apre sa kinga ya mote, et sengela kina zongi sele ya mo. Je parle à quelqu'un ce matin. Nazali koloba na mundu na kakona lelo. Spirituel pour appréhender ce message pour toi un message d'avertissement afin que tu puisses revenir à Dieu et que tu saches comment faire des bonnes choses et que tu puisses revenir l'œuvre de Dieu et que tu ne bénisses pas l'œuvre de Dieu parce qu'on t'a forcé. J'aime bien les gens qui donnent. À Dieu quand même ils ont compris qu'il faut donner. Mais c'est qu'il faut des choses. Parce que Dieu lui-même, Dieu l'a convaincu à faire cela. C'est quelqu'un qui m'attend qui peut dire amen. Et c'est quelqu'un qui peut dire amen à autre. Il y a une jeune sœur à l'église. Depuis que cette jeune sœur a commencé à travailler, elle apporte chaque semaine cette boîte. Qui a dit amen? Amen. C'est une jeune sœur. Azali elenge mwasi. Il apporte ça. Amemaka eloko oye. Tout prédicateur qui passe ici. Mote ignon sur les cacao. Il se suit avec ça. Apangu saganango. Qui a dit amen? Nala koloba iyo. Le modérateur. Bakandi. Il se suit avec ça. Apangu saganango. Des fois même les chiens en profitent aussi. Elle le fait n'est pas parce qu'elle a beaucoup de biens. Mais elle a pris la décision de pouvoir faire quelque chose de pareil. Amen. Je ne savais pas, moi je pensais que c'était le service de l'ancienat qui faisait ça. La banda qui organisa que les alindes musala ya bampakato ya misolo na etonga inde sala kaboy. On est venu m'apprendre. Baya ki nde koye misanga. Il y a une jeune sœur. Les alindes elenge moua si nde a sala kaboy. Tu as dit amen. Amen. Tu as besoin des gens. Zamba zana posa ya bato. À part eux-mêmes. Na nende na bango. Se disent. Je veux faire ceci ou cela. Na kosa la bongo. Alléluia. Amen.
Ce qui me posait la question, il disait, mais comment est-ce qu'il y a des personnes qui demandent, oh, donnez 1000 dollars, donnez 500 dollars. Bonjour à tous les amis, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à 1000 dollars, prêts à 500 dollars. D'après lui, c'est des escrocs. Dans les gens qui ont été basés par les escrocs, est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce que quand on dit c'est lui qui a 1000 dollars qui apporte à Dieu, est-ce qu'on a escroqué l'église? Soit qui vous doit dire, oh il y a 1000 dollars, ah mais la moi pas une anzam. Pas escroqué l'église? Est-ce qu'on a escroqué l'église? Pas escroqué l'église? Mais Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, personne moi dans la voie à Mobali. Donne-lui. Moko, il précise, à Talifié, madame. Isaac, Oyoyo Lingaka. Tu as précisé. A précisé, madame. Donne-moi ton fils. Pesanga mwana na oya bobal. Donne-lui. Oyo Limoko. Isaac, que tu es. Isaac, Oyo Lingaka. Il n'y a pas demandé Ismaël. A Sengatia Ismaël était. Non. Mais il dit non. Donne-moi le fils de la promesse. Alors il pèse un Elaka. Que Sarah a conçu à la vieillesse. Oh yo Sarah a vu beaucoup mal qui vont manger. Il n'y a pas naissance d'une femme. Oh la Sarah qui est tout dans le même conçu. Le précieux est là. Laissez-moi te dire. Dieu, Zabe, il peut demander avec précision. Avant qu'il conseille la précision. Pour que tu puisses lui donner ce que tu as. Quand tu lui donneras, tant que tu lui donneras, il va apporter une bénédiction dans ta vie. Mais je sais qu'en matière, il y a aussi tout d'aventurier. Bon Dieu m'a dit que ta voiture juste un cercueil. Faut donner à Dieu. Là c'est lui le pasteur, lui le prophète qui mérite de monter dans le cercueil, rouler avec le cercueil et non pas moi. Il y a beaucoup d'aventures en matière. Mais laissez-moi vous dire, si on fait un appel dans l'église, il faut apporter. Vous n'attendez pas que quand je vais donner, j'aurai seulement le mariage, j'aurai ceci ou cela, mais les gens qui ont donné sans avoir des arrière-pensées, Dieu a fait des choses avec eux. Causer la terre, surtout ma sénie n'a copé, ça n'a causé la libala, ça n'a causé la mouille. Ah ah, batou, oh, ma pési, ma banjo et à bongo et salité, ne ma roi, on s'en basali totala. Tu as donné à Moïse, ça m'a qui m'offre la vision pour bâtir le temple. Et moi, c'est lui à coton un temple. Il Moïse a appelé les architectes. Moïse a collaboré bien. Il a appelé les architectes. À bien qui m'a envoyé. Ils ont fait les calculs pour le temps. Basala qui calcule pour Nandako. Alors, si Kawa, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Tosan a posé à Moïse, Tosan a posé à Moïse. Moïse a fait l'appel. Moi, ça belle et libatou. Le peuple. Et pas libre. Le peuple d'Israël. Oh, libre de l'Israël. Nous voulons bâtir le temps. Apportez le présent que vous avez. Voilà notre défi. Voilà notre projet. Apportez le présent. La Bible dit, ils ont apporté les choses. Plus que ce qu'on avait demandé. Je vais vous dire, frère. Quand vous êtes dans l'église et que vous donnez à Dieu, les gens vous découragent,
ceux qui vous déclarent sont des sorciers, il faut les considérer comme des sorciers. Beaucoup de gens ont vécu la main de Dieu. La femme tsunami. Moi si à tsunami. Elle n'avait jamais dit à Élisée que moi je n'ai plus d'enfant. Quand tu donnes à Dieu, ne t'attends pas seulement à ce que Dieu te donne des choses. Mais toi, donne à Dieu et Dieu s'occupera de toi. La tsunami, elle apportait à manger à l'homme de Dieu. Abandonne comme ma fille et la montagne. Je comprends qu'il était un fils de l'homme qui n'avait ni mettre la tête ni se reposer. Mais il venait se reposer dans la maison de l'homme de Dieu. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Puis quand il vient, qu'il reste là-bas. On a mis un lit de siège, ainsi de suite. Amen. Quand l'homme de Dieu voit toutes les choses, il va poser la question à son serviteur. Il va poser la question à la femme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? On peut parler d'elle au roi. Ou au chef militaire. La femme dit, je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire qu'elle était bien avec tout le monde. Elle a traité de bonnes relations. Élisée n'avait rien à dire au roi pour la femme là. La femme n'a pas dit, non, je n'ai pas d'enfant. N'est-ce pas plainte? Ami, tu dis ça, ma qui peut rien. Amen. Tant que tu donnes 100 dollars, ton vraiment, depuis que je commence à offrir, j'ai donné 100 dollars, j'ai donné 500, j'ai donné 200, j'ai donné la veste, j'ai donné même les chaînes, j'ai donné. Mais je ne peux pas dire. Et donc, t'as pour la tête, papa. Là, ce sont les hommes de Dieu qui sont au jugement. Bah, ils vont faire des séries, bah, ils vont tout nailler. Ah, là, même ma gueule, on voulait pas nailler. Là, la salle à caboy. Laissez-moi te dire, la femme là, pour ce qu'elle faisait, n'avait jamais posé les problèmes à l'homme de Dieu. Moi, ce mandat qui consacre là.
Moi, si on a dit, l'homme de Dieu dit, il se pose encore la question. Ami, tous les sous il trouve à mon une piste. Et dit non, cette femme, moi, si bon, nous n'avons jamais vu l'enfant dans cette maison. Mais son mari était vieux. Quand si mon mari naïe, à cola qui a commencé déjà mon bangé. Son mari était Dieu. Amen. 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 On appelle la femme. Ma fille, moi aussi. On le dit. Ma fille. L'année prochaine. Moula o et Zali Koya. Ça c'est l'homme de Dieu qui déclare. Voilà, Moutounanza Menga Zali Koloba. Il dit l'année prochaine. Alobi, Moula o et Zali Koya. À la même époque. Naïke Oyo. Tu auras un fils. Pourquoi dans la mamouana, il y a Mobaï. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire autre fois? Amen. Ça, ce sont les effets quand quelqu'un il donne à Dieu. Wana lesika wa misala. Tango moto azali ko pese pa inazama. Je vais te dire. Que tu sois serviteur, oh, la que tu sois servant, oh, la que tu sois bishop, archibishop, oh, la bishop, archibishop, que tu sois je ne sais qui, oh, la nani, laissez-moi te dire, il faut apprendre à donner à Dieu. Quand tu donneras à Dieu, Dieu fera les choses. Et tu lui as demandé. Et les choses. Tu n'as pas demandé. Je veux insister à quelque chose. L'homme lui-même ne connaît pas tous ses besoins. C'est pourquoi les économistes disent. Les besoins suscitent un autre besoin. Quand j'ai un besoin, je satisfais ces besoins-là. Ça va engendrer encore un autre besoin. Ça veut dire que le frère, s'il travaille, il cherchait le travail, il a eu du travail. Maintenant qu'il a eu du travail, il fait 5 ans au lieu du travail, il n'a pas de promotion, ça devient encore. Un besoin. Et comme yo, pour ça. Non, Seigneur, il faut que je puisse monter. Pour ça, quoi, et Seigneur, il faut que je puisse monter. Et Seigneur, il faut que je puisse monter. Et Seigneur, il faut que je puisse monter. Le besoin suscite un autre besoin. Pour ça, et la moussaka, pour ça, mon soussou. C'est pourquoi quand tu viens, tu donnes à Dieu. Mais là, il y a un mot à l'école, on peut se payer. Je vais te bénir au-delà de tes besoins. $10 et il me donne les choses que $10 jamais. Non, parce qu'il sait que quand il va donner les $10 là, je vais le dépenser. Et j'aurai encore d'autres besoins. Ma cause à la poste mon sous-sou. Me ramène à bien. Ça va un jour. Ici à l'église. Ah, on a l'église. Au début de cette église ici. Na ébaté y a l'église à Oyo. Sans te prêcher ici. Na zote ya. Je termine à prêcher. Na fille si zote ya. Dieu me dit. Zamba ybisinga. Tu dois m'offrir ton téléphone. Oko bozelanga téléphone na yo. J'avais un téléphone qu'on avait acheté pour moi par un pasteur. Oui, na zalaki na téléphone moko Oyo mobate l'impate te a sombe na ganga. Je venais à peine d'arriver à Kinshasa. Voilà ma yesi Tanakin. Il m'a acheté le téléphone après avoir passé à son église. A son belila téléphone, Nassima Kotea, Nalingomba Naye. Il l'avait acheté à $70. A son belanga à $70. Maintenant Dieu me demande de lui offrir ce téléphone. Si Kawanzamba Sengingaï, Nabonzelaye, téléphone Wana. J'avais l'argent dans la poche. Nazaraki na misolo. Le téléphone ici, comme nous disons, le téléphone est à Kiyumonanga. J'ai pris l'argent, j'ai donné. J'avais 6 000 francs. J'ai donné.
je reste là-bas, Dieu me dit, tu dois m'offrir ton téléphone ici. Natinga liwana, zaka lobi okoko zaka téléphone wana. Parce que tu as insisté. J'ai pris ce téléphone. N'as-tu téléphone? J'ai sorti la SIM. N'abimisi SIM. J'ai pris le téléphone, j'ai mis dans le panier. N'as-tu téléphone? N'attire qui tombe. C'est alors que mon cœur s'est apaisé. N'ena yango sigawa monte maranga efati na kimia. Mais dans l'entretemps, j'avais un problème. N'attendez pas la peine à zala qui n'a l'icambo. J'étais sous préavis là où j'ai loué. N'zala qui confond de la nena. Fallait que je déménage. Une soeur m'appelle au téléphone, il ne sait pas me joindre. À partir de Paris. Na Paris. Cette soeur là, elle va appeler sa grande soeur. Sa grande soeur lui dira que le prophète a offert son téléphone à l'église. Mais pourquoi le prophète doit faire ça? Alors va avec ton téléphone. Alors je veux parler avec lui. Pendant ce temps-là, donc la soeur avait déjà mis l'argent, donc je Western Union pour moi. Alors, elle m'appelle, donc elle s'assure vient avec le téléphone, elle m'appelle, je parle avec elle me donne le code pour que j'aille retirer l'argent. Sigawa, ndekonaye a un téléphone, a pesinga to solo ni naye, a pesinga code, na juya mbopona ke ndekozwa sigawa mi solo. A cet argent-là, il y avait l'argent qu'il devait remettre à sa grand-sœur. Na katia mbongo, na ezalaki na moi. Ce qui restait pour moi, c'était la valeur de $800. J'ai eu l'argent pour la garantie. J'ai eu l'argent pour acheter encore un bon téléphone. J'ai eu l'argent pour acheter le salon de ma mère. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Alors, à cause de les petits téléphones que j'avais donné à Dieu, téléphone, il y a mon j'ai obéi à la voix de Dieu. N'a pas ça qui te mungongo na ye. Et ça, le bâton, on a passé à l'essayer. Donc, bon, c'est la chaînette na yo. Mais il y a toute la chaînette en or. Et ça, la combien de carats. Et puis, ça coûte combien? Alors il fait tous ses calculs. Il dit non, je ne peux pas donner ça. Après tu m'as calculé à l'obi, oh on a pèse, on a pèse ça. Mais pendant que la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. N'attends au groupe où il y a un exemple de l'obi. Mutu oyo azali kobomba koleka azali kokende na komikoti sakati na kikola bani alexe oyo azali kobomba na kolala pofri azali kokota kati na kibobola fo apprendre à libérer ce que tu as pour que d'autres choses viennent et des bonnes choses et sengeli koyeko na kompresa oyo sana yango pwete biloko mosusu eya quand tu donnes à Dieu frère sotu opesi na nzambe ndeko Dieu se souviendra de toi nzambe akokanisela yo la vie du ciel bobo ya likolo est donnée ezali akopesa parce que les données ont commencé à partir du ciel pwete na makambo ya kompresa. Dieu a donné son fils. Dieu nous a donné l'humanité. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui nous a donné. Qu'est-ce que l'homme a qui vient de ses forces? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a fait un jardin de Dieu. C'est comme
ça la vie chrétienne. Ne montre pas que toi tu es pauvre. Moi je n'ai rien. Oh, non, le côté. Dans les attentes. Donne les fils que c'est que toi tu as. Il ne faut pas voir honte, frère. Croyons la solité de mon bobard. La femme là avait que Dieu teignait. Moi, tu es dans la canne à ma goutte à mi-balai. Et Jésus avait approuvé son offrande. Mais ça, mais il y a son image à moi. Parce que c'est tout ce qu'elle avait. Oui, tes amis, nous sommes dans la canne à ma goutte. Et sa maman avait beaucoup de vie. La maman avait qu'il a aimé. C'était un roi. Ah, t'as dit mon conduit. Il a porté ses présents. Ah, mais moi, tu m'en suis naillé. Il est roi, Benada. Koukou Benada. Il a envoyé à Israël. Avec la charge de 40 chameaux. Non, mais j'avoue, tu dis ça, il a mis l'homme au 40. Dieu regarde. Zambatali. Le cœur de celui qui tombe. Mon thème est à vous taper sa tête. Je ne vends pas le présent que tu lui apportes. Zambatala, mais Dieu vend le cœur. Zambatala, mon thème. La disponibilité du cœur, frère. Mon Dieu, ça m'a mon thème. Et tu veux voir que quand tu donnes, tu ne manqueras rien, frère. Que Dieu puisse bénir sa parole. Que vous bénisse aussi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Apprenez à donner à Dieu. Que se manifestera dans votre vie. Oh,
Merci Jésus. J'entends ton colo. Je ne sais pas pourquoi tu nous as parlé ici ce matin. Je sais que tu as quelque chose que tu as préparé pour cette église. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Que tu amènes ce peuple dans la grandeur, dans la victoire. Et qu'ils parviennent à pratiquer la parole qu'ils ont écoutée. J'ai ainsi prié pour la gloire du Père. Pour la tête pour la tata. Au nom de Jésus-Christ. La combat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bimba nanga